Donc aujourd'hui, quand on continue dans l'unité adaptative, et on a vu que l'unité adaptative, un petit résumé, comme ça pour vous situer. Donc elle est essentiellement dirigée par quelle cellule? Quel type de cellule? CD4? Lymphocyte A et lymphocyte B. Pourquoi? Parce que c'est décédé chez les vertébrés à mâchoire, ont des enzymes un peu spéciales qu'on appelle la vague 1 et la vague 2. On va voir d'autres, bien sûr, parmi lesquelles on va compliquer les choses. On va voir l'artémis, ok, et l'ADN ligase. 4. Ok. Donc, quand on prend, c'est-à-dire dans le cadre de stimuler à, c'est-à-dire avoir plus clair le système immunitaire, quand on prend les différentes espèces qui ont été créées sur Terre, c'est-à-dire à partir de la première créature que le bon Dieu a créée, vers les différentes espèces, okay. C'est-à-dire par contre des prokaryotes. Ensuite, les organismes plus complexes s'appellent les eucaryotes, c'est-à-dire nucléés. Et... on trouve que l'homme, bien sûr, on est le règne animal, le cousin, le fungi, c'est-à-dire les parasites. D'ailleurs, c'est pour ça que chez les humains, il y a beaucoup de parasites. Après, il y a des animaux. Bien sûr, il y a une autre branche dans la création, c'est les plantes. Ça, c'est toutes les espèces qui ont été créées sur Terre à partir de la première source de vie, il y a plus de 600 millions d'années. On trouve que toutes ces espèces, toutes ces créatures, sont protégées par l'immunité innée. Il n'y a ni le cancer, ils ont ni le cancer, ni l'auto-immunité. Et sauf ce petit groupe ici, pour que vous ayez une idée sur l'adaptative, ce qu'on appelle les vertébrés. Il y a une unité adaptative. Et tout le règne animal, végétal, etc. Donc, et d'ailleurs, on a certains arbres qui restent des milliers d'années, okay, alors qu'ils n'ont pas l'unité adaptative. Ils n'ont ni le cancer, ni l'auto-immunité. En plus de ça, ce sont des arbres. C'est-à-dire, ils n'ont même pas la chance de fuir en cas de danger, car un animal mange leurs feuilles. Mais quand même, donc ils ont une langue de. Donc, et on a vu que cette immunité adaptative, donc il y a le HEB qui est très important, okay. Donc l'endothélium veineux, okay, qui est spécialisé dans le recrutement. Donc il a des molécules d'adhésion, okay, et ces organes secondaires où se déroule l'immunité adaptative sont présents dans certains chimiques, comme le CCL19, le CCL, quand il s'agit d'une chimiotine CL, et son récepteur c'est R, CCL récepteur, okay, CCL1, et dans le récepteur c'est le CCL7, okay, le HOMI. Donc ces cellules arrivent dans le compartiment de l'immunité adaptative grâce au HEV et grâce quoi? Chimique, exceptionnel. Et sûr, donc, ça c'est l'immunité adaptative qui généralement, après 4 jours, généralement, pour qu'elle soit activée, non? Environ 96 heures. Okay? Donc, dans les 96 heures, on a l'immunité innée. N'est-ce pas? Rapidement, on va se situer. Donc, le passage nécessite quoi? Nécessite l'acide dendritique. Excellent. Donc la cellule. Ok, la cellule. Alors, voilà. La cellule dendritique. Et c'est elle qui assure donc ce passage d'information pour le lymphocyte essentiellement. Donc après le phénomène de processing. Ok, le processing. Ça c'est juste, donc à chaque fois vous voyez que chaque fois je dessine de façon un peu différente.
parce que c'est pour compléter l'image des milieux dans vos têtes. Okay. Donc on a aussi donc, les NK qui sont spécialisés donc, sont, parce que les lymphocytes B, c'est le troisième type de lymphocytes. On a les lymphocytes NK qui sont dans l'unité innée, on a les lymphocytes B, on a les lymphocytes. Okay. On a vu que les NK, ils ont les kill activateurs, les kill inhibiteurs, et ils, ils peuvent faire la TCC aussi, grâce au CD16, qui est donc un récepteur de type 3 de CNFC gamma. CNFC gamma, récepteur de type 3. N'est-ce pas? Et on a dit qu'on a aussi le complément qui est donc. Donc le complément, il y a une partie de reconnaissance d'une cascade enzymatique qui aboutit au premier lieu au clivage du Z3, donc qui va donner de l'inflammation et du chimiotactisme. Et sinon, on va passer à la C5-convertase pour aller vers le complexe d'attaque membrane. Donc on a par exemple le C1 qui est dans le classique, et on a aussi les MBL, dans la voie des lectines. On a dit que cette reconnaissance, se fait grâce à ces TRR solides. Ce sont les TRR qui sont solides. Et à la surface des cellules, on a les TRR. Okay. On a les TRR qui sont dessus ici. Okay. Les TRR qui sont à la surface des cellules. Donc ce sont des TRR membranaires. Et à l'intérieur des cellules, il y a d'autres TRR. Donc on va ajouter d'autres notions qui sont les NRR, qui sont des PRR intra-cytoplasmiques. Ça, les PRR sont des PRR membranaires. Alors que les NRR sont des PRR, cytoplasmiques, c'est-à-dire ils détectent le matériel génomique. Ok, l'ADN, l'ARN des bactéries qui sont à l'intérieur. On a aussi les polynucléaires qui sont la première cellule, qui est la première cellule antibactérienne, n'est-ce pas? Ok? La première cellule antibactérienne et qui intervient rapidement grâce au phénomène de diapédèse, donc la cellule importante ici, donc pour assurer que cette immunité adaptative assure sa fonction, donc il y a la cellule endothéliale qui doit jouer un rôle. La cellule endothéliale, donc ce stimulus des cellules donc du tissu, vont exprimer des carbohydrates, des sélectines, bien sûr. Il y a des chimiques qui sont pour attirer ces cellules. Et bien sûr, on a dit que les mastocytes jouent un rôle très important comme sentinelles des. C'est elles qui ouvrent les cellules endothéliales grâce à l'histamine, à l'hydration histamine, parce qu'ils ont des récepteurs, par exemple. Donc, c'est 3A du complément. Une fois le complément activé, donc il active les mastocytes pour qu'elle prépare l'endothéliome. Donc, il faut que l'endothéliome, c'est lui qui dirige l'inflammation. S'il n'est pas activé, qu'il ne permet pas cette affaire cellulaire, on n'aura pas d'inflammation. Donc, c'est pour ça pourquoi je vous dis ça, parce qu'on va voir des cas très fréquents dans notre pays, bon, ce qui m'a l'air là, mais qu'on a beaucoup de cas, où le polynucléaire n'arrive pas à accéder où il y a une infection. On aura des infections sans pus. Donc on retrouve des infections sans pus, le patient en pédiatrie, donc il y a des infections sans pus. Et quand on voit son dossier ou quand on demande on fait un petit questionnaire chez sa maman, on trouve qu'il y avait un retard de la chute du cordon ombilical. Ça, c'est une maladie des molécules d'adhésion qui ne permettent pas, parce qu'on a un problème dans l'expression des molécules d'adhésion qui ne permettent pas le passage des PN. Okay, on va voir ces cas, mais ils sont en Algérie parce que notre pays, comme tous les pays africains et les pays arabes, on a un mariage consanguin plus élevé, donc ce qui fait émerger les maladies à transmission qui sont héréditaires, pathogéniques et récessives. Très bien. Et on a dit que, avant cela, on a la barrière anatomique et physiologique. Okay. On a les barrières. Les barrières anatomiques et physiologiques. Donc, exemple, c'est la
anatomique et physiologique. Est-ce que vous avez quelques exemples? Non. Par exemple, l'acidité gastrique. Oui, bien sûr, c'est celui qui veut sortir, il sort son sang de moi. Donc on a par exemple l'acidité gastrique. Donc on a le pH faible. Okay. Le pH faible, moi je suis pour l'organisme. pH. C'est des notions de la deuxième du lycée. Non, c'est au minuscule, c'est celui-là qui est en majuscule parce que H c'est le propre en H et celui-là c'est un potentiel. C'est bon. Donc on trouve donc l'acidité gastrique, c'est une barrière en physiologie. On trouve aussi autre chose. Par exemple, on trouve quelle est la maladie où quand on a un problème dans la partie, dans la barrière anatomique et physiologique, le malade meurt par surinfection, par des infections. Est-ce que vous connaissez la mucoviscidose? Oui. Un problème? Du mucus. Voilà. Excellent. C'est le modèle type. Ok. Donc, c'est le modèle type. C'est-à-dire dans le cas où on a une défaillance dans la barrière anatomique, donc le système immunitaire n'arrive pas à protéger notre patient. Donc, il faut donc l'intégrité de toutes ces couches, de toutes ces. Parce qu'on sait que l'unité immune, comme je vous ai dit, elle élimine 99% du danger. Et pour stimuler l'adaptatif, comme je vous ai dit la dernière fois, il y a un seuil où l'immunité innée intervient. Et il y a un seuil quand le germe donc arrive c'est-à-dire que l'immunité innée n'arrive pas à éliminer le germe et la charge virale, par exemple, commence à augmenter au-dessus de ce seuil d'activation de l'immunité adaptative, c'est à ce moment-là qu'on fait intervenir l'immunité adaptative. Donc c'est à ce moment-là, à ce niveau-là, qu'on aura donc une thérapie qui va rester en partout jusqu'à ce qu'elle élimine donc ce germe, une fois qu'il est éliminé, qu'elle revient à la normale et génère une mémoire immunologique pour ne pas refaire la même chose. Okay. Donc on a donc les poumons. C'est la clairance ciliaire, clairance déjà par ici, donc ciliaire. On a aussi les larves et la salive qui contient les lysosines, donc qui tuent les bactéries, donc les lysosines. Okay. Au niveau des larves, et larves et salive. Et on a bien sûr la peau. Ok, on a l'intégrité de la peau. Ok, est-ce que c'est clair? Donc bien sûr, je vous ai dit qu'il y a la barrière épithéliale, donc la cellule épithéliale donc, qui joue un rôle très important aussi. Ça contient des cytokines comme IL-1, IL-6. Qui vont aller préparer donc l'hypothalamus ici le foie pour renforcer cette réponse immune. Okay? Donc le foie va sécréter tout ce qui est complément, donc l'hypothalamus va augmenter la température du corps, etc. Est-ce que c'est clair? Okay? Donc, le problème qui se pose maintenant, dans cette unité, que ce lymphocyte T, pour démarrer une réponse T dépendante, on a dit qu'il y a la réponse T dépendante. On a parlé la dernière fois de la zone marginale, pourquoi on vaccine un patient avant la splénectomie, parce que se déroule la
zone la plus, de margin la plus importante, elle se retrouve au niveau de la vape. Donc, il faut le vacciner avant contre les germes qui les polysaccharides. Et on sait que la réponse immune dirigée contre les polysaccharides se déroule au niveau des organophytes secondaires, essentiellement la vape, mais la zone, c'est la zone marginale. Ce n'est pas au niveau des centres germinatifs, parce que les centres germinatifs démarrent une réponse T-dépendante. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on est arrivé au point, comment peut-on générer, parce que la zone marginale ne génère pas la mémoire immunologique, comment peut-on générer une mémoire immunologique par un vaccin de polysaccharides? La réponse était de conjuguer ce polysaccharide à un toxin, c'est-à-dire on fait deux vaccins en même temps, un vaccin donc, contre, par exemple, le meningo ou le pneumocoque ou le polysaccharide, on va amener un autre vaccin qui contient une protéine, et on va conjuguer les deux, donc on aura à la fois donc deux vaccins en même temps, mais en même temps on a contribué à donner de l'immunogénicité au polysaccharide. Okay? Très bien. Donc, le problème qui se pose maintenant, avant de commencer le cours, c'est que si une lymphocyte T, c'est l'impossible de vivre. Comme je vous ai dit au départ, on doit les faire donc, assurer la rencontre. Le problème, c'est quoi? C'est que donc, il faut que ces cellules donc, se rencontrent. Okay. Et si on donne cette rencontre, ce phénomène de rencontre, si on le laisse au hasard, on sait qu'on a à peu près 10 puissance 12 lymphocytes T, 10 puissance 11 lymphocytes B. Si on donne, on laisse le hasard qui fait rencontrer ces deux lymphocytes. Donc, par exemple, je vous ai dit la dernière fois, donc que les lymphocytes arrivent par HEV, ensuite continuent par HEV, mais continuent dans un seul sens, quand je dis que la lymphe entraîne dans un seul sens, donc, je sors ici, mais continuent à scanner pour essayer de trouver donc, la cellule dendritique et le lymphocyte B adéquat, okay, qui a ramené le danger. Donc, si on laisse ce phénomène de rencontre, si on le laisse au hasard, donc on va prendre plusieurs années. Quelle est la probabilité que 10 puissance 12, l'un de ces 10 puissance 12, rencontre l'une de ces 10 puissance 12, 11. Donc, c'est des années. C'est pour cela qu'il faut quelque chose. C'est la même chose comme l'homme et la femme, si on est combien sur Terre? 6 milliards. Donc, 6, 10 puissance 9, 7. 7, 10 puissance 9, c'est ça. Donc, imaginez, on va diviser par 2, on va dire 3, 5, 10 puissance 8 et 3, 5, 10 puissance 8. Comment quelqu'un peut rencontrer une fille qui soit donc identique? Parce que celui-là a été déjà primé par l'acide dendritique. Ok? Celui-là a été déjà primé par l'acide dendritique par rapport à la spécificité antigénique. Ok? Et celui-là a reçu donc aussi le peptide. Sa façon, dans sa conformationnelle, okay. Et il a phagocyté, okay. Et bien sûr, il le présente dans le HLA2, il va faire une recherche, il va essayer de patrouiller tout notre organisme à la recherche de ce lymphocyte qui a été privé d'une cellule dendritique qui vient du site de l'inflammation. Du site inflammatoire et qui doit rencontrer ce lymphocyte B qui a la même, donc qui a été pris. C'est pratiquement impossible. N'est-ce pas? C'est pratiquement impossible. Donc il faut quelque chose qui assure cette rencontre, qui permet cette rencontre, et c'est pour cela que l'on a créé aussi ce qui est un peu spécial au niveau de la zone B, parce que voici donc le. Donc on a la zone B ici, okay. On a la zone B, ça c'est la zone B, et ça c'est la zone B. Au niveau de la zone B, on a donc une cellule particulière qu'on appelle la cellule dendritique folliculaire. Okay. Et au même temps, donc le gel, donc les antigènes,
ça fonctionne essentiellement. C'est des pieds, j'ai, ça c'est dans notre populaire, des pieds, j'ai l'antigène, ok, des fragments d'antigène sous forme d'ectosome. Je vais essayer tout ça. Et bien sûr, on va faire appeler, donc, s'il vous plaît, essayez dessus. Donc, c'est cette cellule folliculaire qui va, c'est-à-dire, essayer de réguler de façon temporo-spatiale. Okay. Bien ça sur temporo, parce que la cellule est responsable d'un mouvement. Okay. Donc, c'est. Donc, on rencontre, réguler la rencontre. Pas sur le contrôle, grâce à la cellule dendritique polyclinique. Donc elle capte l'antigène et donc elle va piéger le lymphocyte au départ, le lymphocyte spécifique. Ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc on a, ça c'est le premier point qui va augmenter la probabilité de rencontre. Le deuxième point, c'est l'objet, c'est quoi? C'est les chimiocrines. Donc une chimiocrine un peu spéciale qu'on appelle la CXCL13, qui est spécifique à cette région, la cellule dendritique polyclinique. C'est ici à 13. Okay. Et le lymphocyte est une fois primé ici, donc il va exprimer le récepteur CXCR5. Okay. CXCR5, c'est le récepteur, son niveau c'est le L13. C'est le CX, c'est ici à 13. Okay. Donc elle va ramener. Donc elle a piégé le lymphocyte, mais ensuite elle va ramener par chimie tactique le lymphocyte. Et elle commence à faire le son que j'ai mis. Oui. Très bien. Donc, c'est quoi ce lymphocyte? C'est quoi le lymphocyte? La CXCL13, c'est la chimie elle-même. Elle s'est créée dans le sang germinatif. Ok? Et le récepteur, voilà, la cellule qui veut venir, qui est autorisée à venir ici, c'est seulement la cellule qui a le récepteur de cette. On a dit que les récepteurs chimiques sont de type à 7 passages transmembranaires. C'est rhodopsine-like récepteurs. Ok? On a fait ça, même en pharmacologie. Les récepteurs couplés à la protéine G. Vous l'avez fait en pharmacologie. Excellent. C'est la même chose. Donc c'est la CCR et CXCL13. Donc il n'y a que cette zone qui est CXCL13, donc elle va attirer. Donc cette zone, celle-là, qui va assurer donc, cette rencontre qui était presque impossible. Presque impossible. Grâce à la cellule dendritique folliculaire qui va piéger les ectosomes sous forme d'ectosomes, il y a les exosomes, c'est-à-dire sécrétés à l'extérieur, et le lancer, balancer, mais il y a les ectosomes, c'est-à-dire qui en quelque sorte sont accrochés, okay, qui sont collés, et fait appel aux lymphocytes qui a déjà, donc celui qui n'a pas le CXCR5, donc il ne peut pas accéder au CXCR5. À rencontrer son amour, ok? Rencontre d'amour. Très bien. Donc, est-ce que c'est clair? Oui. Le cours sur l'lymphocyte B, donc, on va voir deux parties seulement. La première partie, donc on va voir deux parties, ou bien trois parties. La première partie, c'est le développement. C'est le développement. Une lymphocyte B. Ensuite, on va voir son vaisseau comment il fonctionne. On va voir le centre germinatif. Le centre germinatif. Et son intérêt. Okay. C'est ça ce qui nous intéresse le plus parce que maintenant, comme je vous ai dit au départ, on est en train de faire un voyage du système vitaire, de la périphérie, de la cellule épithéliale, vers la mémoire immunologique. Et la mémoire immunologique se retrouve. Voilà, on est arrivé à la fin de notre voyage. Voilà, la mémoire, elle est ici. Voilà. Et on va dire bye bye, sinon. Donc, je vais effacer. Allez-y. Rapidement, reprends sur ma table. En tout cas, c'est tout parfait. Ok? Je commence à effacer. Donc, je prends la première partie du cours qui est le développement du lymphocyte B. Donc, le lymphocyte B,
il prend naissance à partir de quelle cellule? La cellule souche hématopoïétique qui est composée en quatre. Plus. Donc il donne naissance à deux types de lymphocytes. On a le lymphocyte B. On a le lymphocyte B1, caractérisé par la capacité de se renouveler. Et qui donne, donc il est sécrété au départ durant l'embryogenèse. Et en néonate, responsable de la production d'anticorps naturels. Parmi les anticorps naturels, vous connaissez quel type d'anticorps naturels? Est-ce que vous pouvez donner un exemple de ces anticorps naturels? Le prix Nobel de 1934, je pense, 37. C'est les anticorps de la bio. De excellent. Donc, c'est ce qu'on appelle, ils ont un nom, ce qu'on appelle les iso et magglutinine. Donc, habile. Est-ce que tout le monde connaissait quoi les iso et magglutinine habile? Est-ce que tout le monde? Très bien, excellent. Rapidement, quand on a un prélèvement sanguin, le sang, c'est un tissu constitué d'éléments figurés et de plasma. Ces éléments figurés sont les cellules et le plasma, c'est des protéines. Et bien sûr, autre chose. Donc, on veut savoir le groupage, le groupe sanguin. Est-ce qu'il est A, AB ou B ou O? Je ne sais pas sûr. Donc, on fait deux tests au laboratoire. On prend les cellules, les globules rouges. Je suis en hématome maintenant, donc c'est l'impossible de l'impossible. Donc, je prends seulement le premier test, je prends seulement les globules rouges et je teste avec les anticorps anti-A, anti-B, donc c'est des anticorps de type IgM, parce que là, c'est de la multination. Anti-A, anti-B, anti-A, anti-B. Si l'anti-A se fixe, parce que si on a un antigène dans le groupe sanguin, si j'ai un antigène de surface, j'aurai pas l'anticorps contre lui. Sinon, j'aurai une hémorragie. Donc, si j'ai un anticorps, est-ce que c'est clair ça, est-ce que c'est pour tout le monde? Non. On va refaire. Donc, mais c'est pas l'objet du cours. Donc, pour les hémorragies, on va le rattacher indirectement à notre cours dans les anticorps naturels, donc les isolémagnétiniens. Donc on a les isoprimaglutines qui sont des anti-A, anti-B qui nous permettent. Donc c'est le prix Nobel de Karl Landsteiner, qui a découvert ce système par lui. Apparemment il est. Il marche toujours. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais deux épreuves, deux tests. Un test sérologique et un test cellulaire, globulaire. Donc le test, si je teste son plasma, je dois ramener des globules rouges, des valeurs différentes A ou B. Donc si le patient réagit contre le B, ça veut dire qu'il ne c'est pas un B. Parce qu'il ne peut pas réagir contre son groupage. Donc je sais que c'est autre chose. Soit c'est un A, soit c'est un 0. Le 0 c'est le B. Maintenant dans un deuxième temps, je vais tester ces globules rouges, sans plasma. Mais je ramène un réactif. Donc si c'est globules rouges et les B, donc il exprime le B. Donc quand je rajoute le réactif, il va réagir avec le B. Donc, pour interpréter un groupe sanguin avant de signer, parce que c'est médico-légal, c'est pour chevet du patient, avant d'autoriser la transfusion sanguine, quand on vous ramène la poche du sang, de la banque du sang, il faut vérifier ce qu'on a fait. Déjà, voilà. Et il faut obligatoirement, au chevet du patient, faire le cross-match. C'est-à-dire un petit prélèvement du patient, un petit prélèvement de la poche par seringue, et vous faites sur place. C'est obligatoire. Parce qu'en cas de problème, c'est l'infirmier au chevet du patient qui va payer. Ce n'est pas le laboratoire. OK ?
Excellent. Donc, ça c'est par rapport aux anticorps naturels, généralement les isoleucovitinines, comme le labio ou bien les autres anticorps naturels, vous savez que, est-ce que vous connaissez une électrophorèse, électrophorèse sérique. Dans l'électrophorèse, on a la bilirubine, on a alpha 1, alpha 2, bêta, et les gammas. On pense que la majorité de ces gammas, c'est parce que vous savez que quand on prend 1000 donneurs, 1000 sérums, et on récupère leur fraction gamma, ça donne ce qu'on appelle les immunoglobulines intraveineuses. Et c'est le médicament miracle qui traite tout. Il y a beaucoup de pathologies auto-inflammatoires, la greffe rénale, ma DOTU, qu'on donne les immunoglobulines intraveineuses. Dans les situations où on n'arrive pas à contrôler le système immunitaire, on donne les immunoglobulines intraveineuses. C'est un médicament qui est préparé dans les bonnes conditions. Bon, généralement, c'est des boîtes pharmaceutiques. Oui, il récupère, c'est-à-dire à partir de 1000 donneurs, un pool, ce qu'on appelle poulet. De 1000 donneurs en poule dans des flacons, donc les immunoglobulines, ce qu'on appelle les immunoglobulines intraveineuses. Est-ce que vous connaissez ce médicament? Il est disponible là, il est dans tous les hôpitaux. Ok, les immunoglobulines intraveineuses. Très bien. Cette cellule souche hématopoïétique, dans l'essence, je n'ai pas des traits qui sont pas. Je ne suis pas un bon dessinateur, mais. Bon. Donc, dans l'essence, on a un lymphocyte B de type 2 qui va passer par différents stades. Ok? Pas de type 2, c'est le lymphocyte B 2. Donc, on a le premier stade, ok, qu'on appelle le stade pro-B précoce, qui donne l'essence à un stade qui est un peu bizarre, où il y a une multiplication de cette cellule B, donc on aura une multiplication. Ce qu'on appelle le pro-B tardif. Ensuite, ce stade va nous donner un pré-B. Ok? Il va nous donner une cellule qui est le type pré-B. Et ce pré-B va nous donner lymphocyte B immature, lymphocyte B immature, qui est un lymphocyte B IgM plus IgM. Donc, à la différence des CD, on met le plus devant la lettre. Pour les IgM, IgD, donc on le met en exponentiel. Donc IgM plus. Okay. Et à ce moment-là, quand on a l'IgM, ça veut dire qu'on a quoi? On a cette région variable qui va reconnaître l'antigène. On appelle le paratope. Donc on a ce paratope. Donc à ce moment-là, logiquement, qu'est-ce qu'on doit avoir ici? On est toujours dans la moelle osseuse, on n'a pas encore quitté. Donc, je n'ai pas encore quitté la moelle osseuse. Qu'est-ce que je dois faire ici? Je dois. La moelle osseuse, qu'est-ce que je dois faire? Quoi? Tester ici. Tester ici. Excellent. Donc, on va faire une sélection. La différence entre la lymphocyte qui est un TCR et un lymphocyte B qui est un BCR, celui de cette BCR, parce que vous savez que le lymphocyte va sécréter exactement la même chose que j'explique. Le BCR, c'est lui-même qui va être anticorps, c'est fait. Il faut savoir une chose, que le lymphocyte T a un TCR. La présentation, elle est ce qu'on appelle restreinte par le HLA. S'il n'y a pas d'HLA, il n'y aura pas de présentation. C'est pour ça qu'on a testé sa fonctionnalité vis-à-vis le HLA dans le thymus. Ici, il va reconnaître directement. Mais on ne va pas autoriser à n'importe quel lymphocyte B immature qui est IgM+, de quitter la moelle osseuse. On doit vérifier est-ce qu'elle n'est pas auto-réactive. Si elle est auto-réactive, elle va mourir. Donc ici, donc, je peux effacer ici, c'est bon? Oui. Excellent.
ici, on va faire. Donc, je vous ai dit que le lymphocyte B, c'est-à-dire le lieu de maturation du lymphocyte B, c'est à quel niveau? Au niveau de la rate. Est-ce qu'il va exprimer quoi? Donc, avant d'aller vers la rate, avant de quitter la voie, il faut qu'il y ait une sélection. Cette sélection se fait. Donc, voilà, je vais zoomer un petit peu. Donc, si mon lymphocyte B immature, reconnaît un peptide et un antigène exprimé dans la moelle osseuse, sur des cellules de la moelle osseuse. C'est-à-dire ce qu'on appelle un antigène figuré. Il est fixé sur une cellule, donc figuré. Automatiquement, j'aurai de l'apoptose. Apoptose. Ça, ce qu'on appelle, donc, cette reconnaissance va envoyer donc un signal d'apoptose. Et j'aurai ce qu'on appelle la délétion. On va le supprimer, donc la délétion. Clonage. OK? Maintenant, si mon lymphocyte B, il est dans la moelle osseuse, il va reconnaître les antigènes solubles. Les antigènes solubles, donc ce sont des antigènes du soi, mais qui sont solubles. Donc il va pas être, c'est-à-dire, éliminé carrément, parce qu'on va voir par la suite, la semaine prochaine, une notion très importante. Donc on aura voir, comme une lymphocyte qui n'a pas reçu le deuxième signal, une lymphocyte qui ne reçoit pas le deuxième signal, qu'est-ce qu'il subit? Il subit une allergie. Une paralysie. Et seuls les lymphocytes, donc les lymphocytes immatures qui ne reconnaissent rien, c'est seulement celui-là. C'est la même de l'IgM. On va voir. C'est la même. Et ça, ce qu'on appelle le même, et ça, la partie variable qui va reconnaître, on l'appelle l'idiotype. Le même idiotype. Très bien. Comment on est arrivé à ce point? Donc, au niveau du probé précoce, probé précoce, on a commencé le réarrangement du lycée. Vous vous rappelez du réarrangement du lycée? Donc le réarrangement du lycée, donc on a donc plusieurs B. On a pour la chaîne d'eau, on a des D. Ça a des D. On a des D. Et on a des J. Des segments J. N'est-ce pas? Eh bien, au niveau de la pro précoce, on aura la formation d'un fragment, okay, l'association seulement d'un seul G avec un D. Okay, on aura quoi? On aura donc un G fixé un D. Okay, un G fixé un D. Mais on n'a pas encore décidé quel D. Ça, c'est très important. Vous allez le voir dans les marqueurs, parce que maintenant, on vous prépare comme des médecins européens. Les Européens, maintenant, quand ils parlent du myélome ou de certaines maladies, certains cancers, surtout qui touchent les lymphocytes, ils parlent, parce qu'ici, on est dans la chaîne mu. La chaîne mu, c'est IgM.
Donc ce qu'on appelle, parce qu'un anticorps, il y a la chaîne de Lourdes, qu'on appelle HB, H, et on a la chaîne légère, IL, light. Donc ici, on commence par H. Donc on est dans la partie variable, du HB, on est dans le VH. Donc vous allez dire dans certains cas cliniques, en France ou aux États-Unis, que le malade a le marqueur VH6. Vous allez directement, déduire, comprendre que son propre BCR préfère ses segments VH6. Ok, segment VH6. Ok, ça c'est entre parenthèses. C'est pas important. Votre question c'est quoi aussi? Non, non, tu poses ta question. C'est bon, elle est bonne. Ok. Ok. Donc, le groupe B, c'est à ce niveau-là que ce fragment d'ADN qui a le D et le G collé au D, à ce moment-là, bien sûr, il y a plusieurs D, qu'on va prendre ce segment